fidèles téléspectateurs, chers internautes de Maximal HD TV, bienvenue dans la chaîne Haute Dimension, dans la zone de recherche. Tozawana, pour nous retambouler ensemble, Nabino, Kolaxabino, Mboka Nabiso, Oezali, la République démocratique du Congo, Mboka Yabanka, Mboka Yabankok, Mboka Onzamba Tikirabiso, et Tonda Nabomengwe Bele, et Tonda Namakambwe Bele, Amalamu, mais Batamite Mamabende, Balingarate, toi avancé. Mais avec Dieu, nous faisons des exploits. Des exploits à Wanakata, République démocratique du Congo. Alors, toujours dans les soucis de vous former, dans les soucis de marcher ensemble avec vous, dans les soucis de vous faire découvrir notre beau pays et de vous montrer encore la visibilité de travaux dans la ville-province de Kinshasa. Nde yangwana, où est-ce que souci à monté manabiso? Toye l'issoussoawa. Nakati ya commune ya Kinshasa, nous avons nakati avenue Wangata. Avenue Wangata, ou Bandiko Banda, boulevard du 30 juin, et donc nous soukati na stade de martyr. Et c'est ici deux communes, Kande na Bandai Koloba, commune ya Gombe, la commune ya Kinshasa. Alors, les travaux, ils ont été lancés il y a longtemps, durée de travaux, ils ont été pour 9 mois. Mais il y a eu des problèmes parce que c'est la société chinoise Jinjin, les autres avenue Oyawangata. Alors vous allez comprendre aujourd'hui, vous allez poser ma question, vous allez comprendre que vous allez non loin à Mama Yemo. Déjà, vous allez à la morgue à Mama Yemo, vous allez à Bibembe, vous allez à Kunda. Mais cela ne nous a pas empêché de faire notre travail. Tout le monde parce qu'on a bétonné cette avenue. En tout cas, ils sont venus au Oyo. Et les qui n'ont pas de problème, et belé. Mais avant tout, quand on a des détails, j'aimerais que Bolanda reportage, Kobanda, na avenue Colonel Ebea, si on a venu de l'hôpital, Botala Nengeni Basali a venu Oyo, peu étape Oyo et commis, Trozon, on a bien un balayasima, pour la relax, Sabino, peu côté de Sabino, bah, détail, Awa, na kati avenue Wangata. Suivez.
voilà, nous voici dans l'avenue de l'hôpital, avenue de l'hôpital Oyozali, toujours du côté à Mama Emo. Alors Tobandaki na bino na wangata, c'est pour juste vous montrer misala ndengezo salama. Parce qu'il n'y a pas longtemps, Tomonaki misala les alaki arrêté. Misala les alaki arrêté, liboso babandaki malam quand les babandaka. Balancer ba travaux et puis babandi ko continuer. Malé malembe to komona misala et s'arrêter. Je pense que on y a sous la narabiso na chaîne nabiso boyebi. Nzela o tindenge tobandaki ko lobisa na ba passant. Na ba o ba vanda randinga ndinga ba côté yo ba pesa ki vraiment maloba na bango pour na o étali construction y a venu oyo ba banda ki malamu et après à un certain moment ba reta ki ba travaux mais lelo oyo la société chinoise ensemble avec l'OVD nde ba zongeli ba travaux to moni vraiment banzo ke dependa na lombango mingi car ndenge zalara on se pose des questions et to zwara penza bi anoté mais tout ça ra de notre mieux pour découvrir le pourquoi. Parce que nous sommes là, il y a un bateau qui est vers Willery. Donc Willery est juste un Simananga. Il y a un embouteillage qui est en Makassi. Il y a un côté qui est inondé. Alors ces avenues, ils sont là pour aider la population et aussi ba kumbi ba conducteur pe ba conductrice ba emprunter ba avenue secondaire et aider bango voire même ba tout ba qui ne morgue difficulté ba tout ba qui na mama yemo difficulté bomoni ya ngwana avenue obalinga ki ba sala ngo pour faciliter ba tout tâche la circulation sozo ou ta kabombar vers beau marché zo ya Willery aux ans a besoin aucun des villes boulevard sonas okoki kate okin la ndela ya flambeau royana yo comme na wangata okoti si au Bini boulevard na facilité. Donc tu n'as pas à prendre Willery, tu tournes et puis tu pars na Anini na boulevard. Non. Donc ce sont des avenues secondaires. Il y a moyen des ça permettre ba na mboka ba circuler ba tambola malamu pe embouteillage et kende na ko sila. Comme j'étais en train de dire, misa les ala qui a arrêté to tunaki to zo ki biya noté, mais selon ndenge biso to monela ki to moneka misala est arrêté. Et après, tu as vu comment on va continuer comme ça là, bah si qui n'a gombé côté yo, bah qu'on est qu'on continue na na commune y a comment on appelle ça, na commune y a Kinshasa, bah continuer na commune y a Kinshasa, bah ça lui va caniveau quelque part et puis bah tiki. Mais tu reçois toujours contact na bah ingénieur au bas de ton élabisso parce que tant que tu y a qu'à chaque fois na terrain wa, tu coup t'as un ingénieur t'es, tu coup t'as toujours na ba maçon na ba to ba sala ba finition mikemike na nzela ba on moyen ko poser ba question exacte mais on va faire de tout notre possible pour parler avec ingénieur pour en savoir un peu plus sur cette avenue mais ce qui est important est que l'avenue Wangata est déjà très bien bétonnée donc ba comme une étape il y a finition polikamona finition des oboma bat quand on parle de finition c'est quoi parce que finition est appelé une étape nango et là on va passer mais ça les arana début ce qui baza ko sala décapage ce qui baza ko creuser pour na ko sala ba caniveau wa les ali début mais ce qui déjà ba caniveau est salami si ba poser ba 031 ba 080 ba chaussée oyo hein ndenge ba sala ba trottoir et ça ba misala mo ya finition neti awa to benga yango finition parce que ba poser ba 031 ba zozela bah si sa finition il y a 031 peut passer à la compactage ce qui déjà va comme il bétonné parti à Wangata parce que le jour où on a le baga finition il y a certaines personnes oyo bah il y a toujours dans les commentaires koloba non il faut faire la différence entre finition bino bah boye bi mingi boye bela bi se peut te baga o bi se te yebi finition et zarana étape na ngwe belé pour avenir Wangata on a ce que ça qui n'étape à finition t mais bah linga qui bâti à béton t ko bétonné ils allent parmi les étapes Oyasuka. Donc c'est-à-dire Kobanda, avenue de l'hôpital, si Kobima na Tombalbay, si Kobima na Tombalbay, ou soit na colonel Ebea, voilà, Kobima na colonel Ebea. Bah comme une étape il y a finition. Donc et là quand tu as dit qu'à bétonner et sikawana, loko la mama yemu, stokoma na fin de l'année, oh il y en a bah décembre déjà. Misala kuna est aussi là, donc grand bâtiment est aussi là, salle d'urgence est aussi là, morgue
et aussi là. Donc au Sengela, quand on est déjà propre, pour va rejoindre ba malade, ba tie ba ngona ba pavillon o ba si ba bongi si, alors ba pavillon o non ba bongi si te, ba rozonga la ngosko pour ba réhabiliter. Nde bomoni bazo sala pe musala ona lombango, pour face ekende, ndenge moko nzela moko na hôpital ya mama yemu. Donc misala c'est comme une étape ya finition. Kobanda awa, pour exemple mulai hein, na lobaki, kobanda na boulevard du 30 juin, ti ko kene na stade de martyr. Eza mulai. Donc na mulai wana ba sala étape par étape. Nde basala ki étape ya avenue de l'hôpital tina colonel Ebea. Ba ranger, ba silice ti kala kaka ba tia béton. Nde moni ba sundola ki balaba ki non, ba attaquer na commune ya Lingwala et pardon na commune ya Kinshasa. Ba sala nan ba caniveau pour la population o bazala esika wana bazala na kimia. Nde moni ba sala ki caniveau so mbule beti inondation sa nini etika ko salema. Donc bah ça la étape par étape. Ah ouais déjà bon on y va bétonner déjà avenue Wangata du côté à avenue de l'hôpital. Donc, en face il y a hôpital vétérinaire. En face juste il y a centre vétérinaire, hein, ce qui est hôpital clinique, hein, clinique vétérinaire. Voilà donc bah bétonner partie Wana. Bah ils continuer si quoi qu'il y a banat préparation y a banat et puis bah ils continuer processus y a bétonnage. Ah ouais pe bah si va creuser déjà cette partie. Hein. Bah c'est déjà 031 et si le caca bah la dernière couche à 031 et puis bah compacté ça bah si ici allez après bah quoi attaquer déjà pour moi une simalanga côté où il rit bah ça c'est la rechargement et bah moellant donc c'est à dire comme ça là ils ont qu'il est vraiment ils ont qu'il est peinant malamou malgré que ou meli mais ils ont qui tend mais si quoi c'est important ils ont que mais ça là ils ont qu'il est peinant l'endengue et longo bani. Alors c'était vraiment un réel plaisir hein de vous présenter cette émission. Nous vous disons merci, vous tous qui nous soutenez. Bino ma robo ben rabi sur inbox. En tout cas, la paix si bino merci mingi. Ce que je vous demande, c'est ezaba soutien. En tout cas, nga le belar marambo mingi te. Mais si j'en parle, je sais que malgré que tu évolues dans ma propre forme nabiso, eh bien, tu es bipez ali naba oyo, bati rabi sur le bok, tant que tu as un problème. Pour le moment, au moins, tout ça la production mingité parce que tout ça problème na au étali ba matériel tout ça a besoin ba micro tout ça a besoin ba caméra tout ça a besoin ba drone tout ça a besoin ba biloko ana nyonso tout ça na ngomoko au moins somako ezui panne et ça a bi ce problème et ça a ce problème à ma casse mais ceux qui tout ça na ngomi ba lemisat bon monter que osala malamu alors ba nyonso amité ma malamu soutenez-nous spirituellement priez pour nous. Bon soutenir Bissot, bah autant la barre physique, boé. En tout cas, même n'a pas conseil, même financièrement, en tout cas, moi un franc, un dollar, des dollars, na yo. Et ça, Bissot malamou et qu'encourager pe. Le caméraman, ouais, disposer à temps na yé. Hein, pour na ko tambo l'ensemble, na ba o bazami sika. Hein, pour na ko la qui sa visibilité, ya mokondi ya moka. En tout cas, Tolinga Rabino Mingi, merci à Omega Bibangi, merci à Julie Yangou. Merci à Papa Tony Kapwa Walambik, mes salutations. Et merci également à Emda, Mouté Mana Maman Jetou. Merci également à Papa Vendicien Kajabika, des cœurs avec toi. Et merci également à Papa Calvin Kouchadi. Et je salue également Papa Matt King, Papa Bonheur. Je salue, bon, vous êtes tellement ébélé, hein. Au moins, ma salutation est à Moro. La ligne en haute parce que vous êtes belé, 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 belé. En tout cas, Nzamba, Batelabino est belé. Asunga Bino, Asunga Pebiso, chaîne Abiso Maximal HDTV et Kendeliboso. Pe chaîne Abiso Moussous, vous avez lancé l'OE Mbomabina. Tu as changé en moi comme mais. Tu as ça, Melanzam, mais Atia Loboko pour ma Kamnyostou et Kendeliboso. Alors, on se retrouve très prochainement dans un nouveau numéro et je vous dis au revoir.